Bonjour les élèves de première B. Comme promis tout à l'heure, je termine avec vous l'exercice qu'on n'avait pas pu terminer parce que notre cours est raccourci hein, une fois par semaine à cause du temps de table. Donc je termine cet exercice avec vous. Donc c'est à la page 39. Prenez la page 39 et puis vous complétez avec moi et vous essayez de traduire par vous-même hein, de temps en temps. Ben, mettez la vidéo en pause et essayez de traduire par vous-même. Moi, je vais faire les phrases dans l'ordre. Dès que vous en avez envie, vous mettez la vidéo sur pause et puis vous essayez de traduire. Alors, avant de traduire, vous savez qu'il est demandé d'encadrer le verbe dans la phrase. Donc, je commence par la 7. J'encadre le verbe bibimousse. Alors, qu'est-ce que c'est que ce verbe? C'est comme dans qui vos vincunt aquam bibunt, mais ce n'est pas la même personne. Hein. Bibimus, c'est nous buvons. Non, il y a une négation, nous ne buvons pas. Et puis le complément, c'est winum, que vous connaissez toujours grâce à la même phrase, hein, enfin à la même histoire, plutôt les soldats qui n'ont pas reçu le vin et qui ne veulent pas se battre. Vous vous souvenez, le général qui se fâche, l'empereur qui se fâche et qui dit qui vos vincunt aquam bibunt. Donc ici, nous ne buvons pas de vin. Nous ne buvons pas de vin. Ou nous ne buvons pas le vin, c'est bon aussi. Voilà. La 9, elle est particulière parce qu'elle est faite de trois verbes. Il y a trois verbes dans la 9. On peut les encadrer tous les trois. Alors, vous vous souvenez sans doute du proverbe « vivere est militare »,« vivre, c'est se battre ». Donc, vous voyez que ce proverbe, il est un peu construit de la même façon. Mais ce n'est pas « vivre, c'est se battre », c'est « respirer, c'est vivre ». Voilà. « Venit deinde una musca ». Vous vous souvenez peut-être de la phrase qu'on a vue sur Alexandre et ses 12 éléphants, Veniunt deinde duodecim elephanti. Alors ici c'est un petit peu différent, hein, mais le verbe ben, il est là, Venit, c'est la même chose que Veniunt, mais c'est au singulier. Deinde, c'est ensuite. Una, c'est un nouveau mot. Vous pouvez l'ajouter en haut de la page là. En dessous de Titus, ça veut dire une, una, une. Si c'était un, ben ce serait unus, hein, una, une. Donc, si je traduis la phrase, c'est vient ensuite. C'est comme la phrase avec les 12 éléphants, mais c'est au singulier. Et on n'a pas 12 éléphants ici, mais une mouche. Vous vous souvenez des mouches de Aquila non capit muscas, hein? Voilà, une mouche. Phrase 13. Olent est le verbe. Pecunia non olet, l'argent ne sent pas. Ici, on a la même chose qu'olet, mais au pluriel. Donc c'est sent. Le sujet c'est elephanti. Les éléphants sentent. Semper, ça vient du proverbe veritas semper vincit, la vérité vint toujours. Donc, et attention, il y a souvent des élèves qui se trompent, semper, c'est pas vint, c'est toujours. Donc les éléphants sentent toujours. Pecuniam non amo, non maneo. Les verbes « attention » sont à une personne à laquelle on n'est pas habitué. « O » à la fin de « amo »,« O » à la fin de « maneo », c'est « je ». Il y a à chaque fois un « non ».« Je n'aime pas »,« je n'aime pas ». « Pecuniam », souvenez-vous de « pecunia non olet », « l'argent n'a pas d'odeur ». Ici, « je n'aime pas l'argent ». Deux points. Je ne reste pas maneo.
Souvenez-vous, ce verbe, on le connaît grâce à les mots vol, les écrits restent, hein? Muerba volans scripta manent. Donc, je ne reste pas. Aquam nunquam bibo. À nouveau, un verbe à la première personne. Je bois. Nunquam, ça vient du proverbe Veritas nunquam périt. La vérité ne périt jamais. Donc, c'est je ne bois jamais. Je ne bois jamais. Aquam, vous connaissez ce mot, hein? Aqua, c'est l'eau. Donc, je ne bois jamais d'eau ou je ne bois jamais l'eau. Voilà. Et on en a terminé avec cet exercice. Si vous avez des questions à poser, ben vous me verrez bientôt au cours. Vous pourrez me les poser au cours. Sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message. À bientôt!